et des confinettes. On est le vendredi 25 novembre. Eh bien, c'est la fin de la semaine et le dernier vendredi du mois. Donc on se rapproche inéluctablement de la fin de l'année. Avec comme point de mire le 24 décembre. Alors le 24 novembre, c'était hier. Avec un décompte, avec le calendrier de l'Avent et avec tous ceux qui vont justement faire un décompte pour se retrouver avec peut-être des cadeaux. Alors pour les cadeaux, il y a déjà donc du choix. Après, on peut acheter ce qu'on... Non, pas forcément ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Et puis là, beaucoup déjà disent « Ah oui, mais moi, comme d'habitude, à Noël, on sera 2, on sera 3, on sera 10, on sera... » Et puis, il y a toujours le côté un petit peu tristouille. Ah bah, ça passe vite. Déjà, l'année dernière, on n'avait pas les moyens. Bah, cette année, on a encore moins les moyens. Alors, il y a aussi cette version. Il y en a qui disent qu'on est dans le couloir de la mort, avec peut-être une dernière taf avant de se faire couper la tête. Là, ça va être le dernier Noël pour certains, avant de se faire ratiboiser pour 2023. Donc, peut-être que certains vont casser la tirelire. Certains vont peut-être récupérer un petit peu leurs économies. Et vous pouvez, évidemment, si vous pensez avoir les poches lourdes, soutenir l'indépendance pendant qu'il est encore temps. Parce que si vous voulez nous quitter, il ne faut pas partir comme ça. Hein. Vous n'allez pas... vous n'allez quand même pas vous faire emboîter avec tout ce que vous avez. Il faut un petit peu lâcher du lest. Et je suis là, évidemment, pour être soutenu. J'en entends déjà qui vont se dire encore « Ah bah non, tu vas quand même pas parler de... » Ah non, 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 non. Si. En vous remerciant et vous gardez la pépèche et la patata.